Hey guys, welcome to Chamonix. So we're here to meet the president of the UTMB, so we have a great opportunity to exchange with her. Really looking forward to this. We're going to be able to exchange on a number of topics, including the history of the UTMB, where it comes from, its success, and why it's now associated itself with Ironman. We've heard a lot of people complaining about this association with Ironman. We're going to try and discuss with Catherine Poletti, the president of the UTMB, to understand why they went down that lane and do this association, and also discuss with her a little bit more about the spirits of UTMB, what it wants to do in the future and how it's creating these great events for people, but also what creates such a success for this event. So come with me and discover the UTMB with the creators of this epic race. Bonjour Catherine, merci de nous accueillir dans ce temple du trail running. C'est vraiment un plaisir de faire votre connaissance et puis qui est quand même un endroit mythique, Chamonix, pour beaucoup de monde. On est venu comprendre un peu mieux l'UTMB et puis les nouvelles évolutions et puis savoir un peu plus au côté émotionnel de la course aussi, qui est super important. Mais avant de parler de l'UTMB, il faudrait parler un peu de vous. Alors je sais qu'on a parlé beaucoup de vous dans les podcasts, alors j'ai quand même pris quelques notes. Donc vous êtes musicienne à la base, donc vous êtes pianiste, vous êtes issu d'une famille de musiciens. Et c'est un peu votre passion. Et vous avez rencontré votre mari et c'est lui qui vous a amené dans le monde du trail. Bah, il m'a amené dans ce domaine alors que je ne peux pas courir pour des raisons de santé. Mes os et mes articulations ne le supportent pas. Et donc j'ai fait ça à côté de lui. C'est comme ça qu'on a pu découvrir. Lui, il est coureur, bien sûr. Il a fait beaucoup de trail, beaucoup d'ultra-endurance, beaucoup de choses comme ça. Mais, et moi, j'ai découvert qu'en fait, il y avait un monde à côté du chemin. Et souvent, je lui disais, mais tu sais, Michel, finalement, je connais plus de monde que toi dans le monde du trail. Parce qu'en fait, moi, j'en vois passer beaucoup, alors que toi, tu cours avec les personnes qui vont à la même vitesse que toi. Du début à la fin, tu es grosso modo avec les mêmes personnes. Et alors que moi, ben j'en vois passer beaucoup parce que le monde de l'accompagnant, c'est je me dépêche de ne pas rater le prochain ravitaillement. Donc, et puis quand je suis là-bas, j'attends. Donc on fait beaucoup de je vais vite, je vais pas vite, je vais vite, je vais pas vite, j'attends, je passe du temps. Et sur le bord du chemin, il y a aussi tous les compagnons ou compagnes des autres coureurs. Donc on apprend à se connaître. Et puis, quand on va se dépasser sur un autre trail, eh ben, on connaît aussi ces gens-là. Et c'est là qu'on a réalisé qu'en fait, dans le trail running, il y a cette capacité de ne pas s'adresser que aux coureurs. En fait, on s'adresse à tout le monde. Parce que d'une part, on fait connaissance avec les familles, les amis, les accompagnateurs qui sont au bord du chemin. D'autre part, on fait aussi connaissance avec les locaux qui sont sur le terrain, parce que quand on arrive dans un village, eh ben, comme on se rend bien compte qu'on est un peu en avance, on en profite pour discuter, pour regarder le village, pour aller voir. Et puis après, ben, ça nous permet de rencontrer tellement de personnes que ça devient passionnant. Et puis le lendemain, si on a rencontré des gens fabuleux ou vu des choses fabuleuses, eh ben, on se redéplace avec notre coureur sur une petite partie du parcours, ou bien on va découvrir ce que lui a adoré. Et c'est une manière de partage entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas qui est très importante et qui rend ce côté très humain. Ce qui est un peu l'esprit de l'UTMB aussi, c'est justement d'aller au-delà juste des coureurs et de la course elle-même, mais d'impliquer, de faire un événement de qualité UTMB, parce que dans les podcasts, on vous entend souvent faire référence à la qualité UTMB. Et je pense que la qualité UTMB passe aussi à cette ambiance que vous créez et puis d'aller au-delà finalement juste de la course et puis de faire découvrir des endroits. Parce qu'on a vu, il y a beaucoup de courses maintenant dans le monde où on va découvrir aussi, on ne va pas que juste courir mais faire une visite avec la famille et d'avoir vraiment quelque chose qui plaise à tout le monde. Alors je dirais la qualité UTMB c'est un peu prétentieux et c'est vrai qu'on parle de la qualité UTMB. Pour moi, je dirais qu'on est issu d'un milieu, ok, je faisais de la musique quand j'étais étudiante et jusqu'à la fin de mes études. Mes frères sont musiciens professionnels, C'est aussi un endroit où on a beaucoup le souci du détail. Dans la musique, dans beaucoup de choses, on finit par avoir le souci du détail, parce que plus ça paraît simple à l'extérieur, plus c'est compliqué à réaliser. C'est ça la qualité. Je veux dire, si on regarde dans beaucoup de domaines, qu'on fasse des vêtements, plus le vêtement paraît simple, plus il est compliqué à faire. En musique, plus ça paraît simple, plus c'est que c'est compliqué pour donner cette sensation de simplicité. Et bien dans l'événementiel, plus ça paraît fluide et simple, et plus c'est compliqué parce qu'on a réglé tous les détails. Donc c'est ça, là où moi je parle de qualité ou peut-être d'ADN UTMB. C'est, on a ce souci du détail qui va permettre d'aller rendre fluide, que ce soit pour les journalistes, que ce soit pour les habitants locaux, que ce soit pour les accompagnateurs, que ce soit pour les coureurs eux-mêmes ou les médias. C'est cette idée de dire il faut que ça leur paraisse simple. Et c'est la même chose qu'on a recherché dans le système sportif d'ailleurs, c'est que ça paraisse simple et fluide. Après, ce qui est moins simple, c'est de l'expliquer. Alors du coup, l'UTMB a été créé en 2003, donc c'était avec votre mari. Donc à la base, c'était une course relais, si j'avais bien compris. C'est pas celle que nous on a créée. En fait, l'UTMB, enfin pas l'UTMB, le Tour du Mont-Blanc fait rêver des gens depuis entre 40 et 50 ans à peu près. Les premiers qui ont essayé de l'organiser, ils l'ont organisé en relais, ils l'ont organisé en étapes, ils l'ont alors il y a eu les relais de 3, les étapes en 3 parts, une en France, en Italie et en Suisse. Et puis à la fin, il y avait un relais de 7 coureurs. Et à cause de l'accident du tunnel, ça s'est arrêté pendant 2 ans. L'accident a été fermé pendant 2 ans suite à cet effroyable incendie. Et quand il a rouvert, 2 ans plus tard, c'était en 2002, à ce moment-là, le club des sports de Chamonix, qui était organisateur de cette course, qui réunissait 50 à 100 équipes de 7 personnes, n'a pas réussi à avoir suffisamment d'inscriptions, je crois qu'il y en avait 1 ou 2, et donc ils ont annulé la course, parce qu'il n'y avait plus assez de gens qui étaient motivés par cela. Pendant ces 2 ans de fermeture du tunnel et où ça ne continuait pas, c'est ces 2 années-là qui ont été l'émergence du trail en très longue distance. On a commencé à voir apparaître des trails qui avoisinaient et dépassaient les 100 km. Et c'est là que les coureurs ont commencé à se familiariser, à aller sur ce genre de course qui avait cette capacité du temps long. Et le temps long est indispensable pour créer cette expérience humaine sur place. S'il n'y a pas ce temps long, en définitive, on se rend compte que les gens, ils arrivent le matin, ils font leur course et ils repartent le soir. Ce temps long permettait de se poser un petit moment. Et justement, parce que mon coureur, il est parti pour, grosso modo, 15-20 heures minimum de course. À ce moment-là, on se rend compte qu'on peut faire vivre quelque chose de plus convivial, où les gens partagent quelque chose de plus. Et c'est ça qui nous a intéressés dans ces courses longue distance, c'est le temps long. Et par ailleurs, chaque fois qu'on rentrait de ces courses avec Michel, on a fait l'Ardéchois, des courses dans l'arrière-pays, niçois, etc. Et chaque fois qu'on rentrait, on arrivait sous le tunnel là, des Ouches, et on sortait, on se disait quand même, bon sang, il y aurait quelque chose à faire dans ce coin-là. Il y aurait vraiment quelque chose à faire. Et cet abandon du Tour du Mont-Blanc en relais de 7 a été l'effet déclencheur de pouvoir faire autre chose. Faire autre chose, et l'idée était de faire autre chose qui soit justement en une étape, en individuel, en temps rétréci, etc. Et, et voilà. Donc c'est venu de là. Donc la première année, il y a eu 700, alors je crois que je l'ai 720 et quelques, quoi, 722 inscrits. Vous savez pourquoi je m'en souviens si bien? Non, c'est très précis, effectivement. Comment? Parce que d'abord, on n'y a pas cru quand c'est arrivé. À cette époque-là, les gens, quand ils s'inscrivaient, en fait, on pouvait même s'inscrire sur la ligne de départ. Ah ouais. Quasiment. Ah ouais, tellement c'était très surprenant. On est entrepreneur au fond de l'âme. Je dirais, on a cet esprit entrepreneur. Il y a des gens qui ont un esprit technique, un esprit ce qu'on veut. Nous, on a cet esprit entrepreneur qui fait que... Quelle est la différence avec un esprit purement business? C'est qu'on va avoir cette envie de s'engager. Prendre des risques. Des risques qu'on mesure quand même, hein, parce que le fait d'être entrepreneur ne néglige pas le fait d'être business. Mais par contre, on ne va peut-être pas faire tout avec des normes et des choses comme ça. On ne va pas hésiter à essayer d'inventer des solutions, essayer de créer des solutions qui vont être différentes, qui n'existent pas forcément sur le marché, mais qu'on va peut-être mettre en place et inventer. C'est comme ça qu'on a inventé LiveTrail, c'est comme ça qu'on a inventé ce suivi coureur, c'est comme ça qu'on a inventé UTMB Live. Parce qu'en fait, on les a conçus, on les a... organisé, et on n'est pas dès le départ allé chercher une solution existante sur le marché. Pour moi, c'est ça la différence entre l'esprit entrepreneur et l'esprit business. L'esprit business, ben, j'ai une tâche, je vais prendre un salarié dont c'est l'expertise et je vais le payer et il va faire vivre cette tâche. Et si j'ai 4 tâches, eh ben, je vais prendre 4 salariés. Alors que nous, on va essayer... d'optimiser, quitte à toucher un petit peu à tout, et de mieux s'entourer, c'est ce qui va nous obliger à mieux nous entourer. Alors du coup, vous avez, avec les 722, vous les avez attirés avec du digital marketing un peu... ouais, c'était nouveau à l'époque. Les choses, comment on sait les faire. Donc la première chose qu'on fait, ben, c'est qu'on va repérer, bon voilà... juste avant, on avait cette entreprise informatique. Par ailleurs, ma fille et son mari, qui était son fiancé à l'époque, sont ingénieurs informatiques. Donc, à ce moment-là, immédiatement, on dit, ben tiens, on va le faire. Donc, ok, on va le faire. Bon, eux, ils nous ont monté un site internet assez simple, dans le week-end, puisque c'était leur métier. Et puis, on l'a alimenté. Et à ce moment-là, moi, ça m'a permis de communiquer, de repérer tous les sites que je voyais dans le monde entier qui pouvaient parler de courses, de courses à pied. J'ai goupillé ma présentation, une présentation un peu correcte, où je voyais, il fallait donner les distances, les trucs, et puis décrire un peu le paysage, et puis faire un petit peu de... donner envie aux gens. Donc j'ai préparé mes textes, je les ai préparés en français, en anglais, en allemand, en italien, etc. Et là, je suis allée me connecter sur tous les sites que je trouvais, si je ne comprenais pas la langue, mais que je voyais qu'il y avait des images de gens qui couraient ou des choses comme ça, ben, je balançais la présentation de ma course et j'ai fait ça sur tous les calendriers que j'ai pu trouver sur le net, avec les liens qui allaient bien pour pouvoir venir retrouver ça. Et de la même manière, sur notre site, au minimum, tout ce qu'on faisait, j'avais dit aux enfants, moi il faut que ce soit un site que je peux alimenter personnellement, donc il me faut la possibilité de pouvoir rentrer dedans, mettre mes textes, et si possible avoir une autre langue qui dise la même chose. Donc en fait, ils m'ont créé ce site avec la possibilité de pouvoir le gérer derrière moi-même et de pouvoir rentrer les textes en plusieurs langues directement s'adresser à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître la première inscription, c'était un Français, hein, en décembre. Et là, c'est waouh, un décembre, alors que la course est fin août, on a la première inscription, ça c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on avait parlé de ce Tour du Mont-Blanc que les gens allaient courir un individuel en une seule étape. Et nulle part dans le monde, on peut faire le tour d'une montagne iconique en traversant 3 pays. Et en ayant cette capacité de pouvoir voir des paysages aussi différents. Parce que je vous garantis que quand on passe le col de la Seigne qui fait passer de France en Italie, c'est notre ambiance, on le ressent. On n'est plus en France, on est en Val d'Aoste et en Italie. Quand on passe le Grand Col Ferré qui fait la limite entre l'Italie et la Suisse, c'est la même chose. D'un moment à l'autre, quand on fait la descente du Grand Col Ferré, on se rend compte que les prairies, c'est comme des pelouses. Il y a des petits drapeaux suisses partout. Il y a les villages, les maisons sont bien rangées, bien éparpillées où il faut, etc. C'est pas la même chose. On est ailleurs et cette capacité de voyager, on s'est rendu compte que pour le coureur, c'était... fallait le décrire comme un voyage personnel et c'est comme ça qu'on l'a décrit et c'est comme ça que ça a fait envie. C'est comme ça aussi qu'à l'époque, eh bien, on n'avait pas encore de partenaire. À ce moment-là, on était encore en négociation avec Salomon à l'époque et ils ne voulaient pas mettre de cash. Et moi, je leur disais, mais vous êtes gentils, mais moi, les ravitaillements, les secours... et tout ça, je ne vais pas le payer avec des t-shirts. Hein. Ah oui, mais on va donner un sac à dos à tous les finishers. J'ai dit oui, bah, et les autres, je m'en occupe comment et c'est à ce moment-là que, c'était en juin pour le marathon du Mont Blanc. On m'a appelé au niveau du marathon du Mont Blanc et on m'a dit « Catherine, il faut que tu viennes faire un stand au marathon parce qu'il y a des gens de The North Face qui ont pris un stand et qui veulent te rencontrer. » Ah, alors je regarde, puis je me dis, mais The North Face, mais en fait, ils sont spécialisés dans tout le principe himalayen, la très haute montagne, les tentes, les sacs de couchage de très haute montagne. Nous, on monte pas sur la montagne, hein, on tourne autour. Donc, mais bon, on va rencontrer les gens puisqu'on n'a jamais refusé de parler à qui que ce soit. Et on les a rencontrés et ils ont dit, on veut cette course. Ah ouais. Et donc, je leur ai dit, le problème c'est qu'on est déjà en discussion quand même avec d'autres gens. Alors, je ne vous dis pas que ça aboutit, sinon je l'aurais écrit. Mais il faut quand même que je les prévienne. Et d'abord, qu'est-ce que vous voulez nous proposer ? Et donc, c'est à ce moment-là où eux, ils ont accepté de mettre une part de cash conséquente, de prendre en compte mes bénévoles pour les doter, et pas que les coureurs, et de prendre en compte les partants, et pas que les finishers. Et là, du coup, je suis retournée vers Salomon. Je leur ai dit, écoutez, excusez-moi, mais là, les coureurs, ils en veulent... J'ai une proposition de The North Face. Et ils acceptent de mettre du cash, etc. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Et à ce moment-là, le gars ne m'a pas cru. Il a dû penser que je bluffais le commercial qui était en face de moi. Et il me dit, non, on n'y va pas. Nous, on a dit qu'on ne mettait jamais de cash sur une course et on ne mettra jamais de cash sur une course. OK. Eh bien, dans ce cas-là, merci messieurs, on a discuté un certain temps, mais moi, je vais finir de la discussion de l'autre côté. Et on est parti dans une aventure avec The North Face pour 12 ans. Wow. 12 ans, même. Et puis maintenant, ça a été switché à Oka ou c'était... Alors, on a eu 12 ans de The North Face, 8 ans... 7 ans avec Columbia. Ah, Columbia, oui. Il y a eu Columbia. Ouais, et maintenant, on est avec Oka. Comme vous le voyez, on est quand même assez adepte du temps long. C'est plus une question d'ADN. Je dirais qu'on a toujours fonctionné avec une notion de loyauté. OK, il y a le marché, mais on ne remet pas forcément tout sur la table juste pour de l'argent. Ce qui compte, c'est aussi... l'argent est une nécessité. On doit en gagner quand on est une entreprise. Il n'y a pas d'autre moyen d'exister que de gagner de l'argent pour vivre. Mais ce n'est pas le seul objectif. Il y a aussi d'autres objectifs. Et c'est un juste équilibre entre ces valeurs qui font notre ADN et l'argent. Moi, je ne me lève pas le matin pour aller gagner de l'argent. Je me lève le matin pour faire un job, et un job qui, accessoirement, doit en gagner. Parce que sinon, il n'y aurait pas de quoi faire vivre une entreprise. L'objectif d'une entreprise, c'est quand même de se développer. Mais ce n'est pas notre boulot de... Enfin, ce n'est pas notre seul objectif. Le financier, c'est une valeur, mais ça n'en est qu'une. Et il y en a beaucoup d'autres. Parce que justement, il y a ce thème qui revient un peu plus de manière récurrente ces derniers temps depuis l'association avec Ironman, où on voit beaucoup de sceptiques qui se plaignent que c'est devenu une machine à faire de l'argent. Et voilà, ils ont l'impression que peut-être l'UTMB perd son esprit trail. Sincèrement, c'est pas là le problème. Parce que depuis le début, depuis 2004, on est une entreprise. Donc, d'une certaine manière, on a besoin de faire de l'argent. Sinon, l'entreprise, elle va mourir. Mais ce n'est pas notre premier objectif depuis le début. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance, et on est tous pareils, à trouver beaucoup plus facile le travail des autres que le sien. C'est-à-dire qu'on envisage éventuellement que les autres ont moins à faire. Donc, ça coûte moins cher que sa propre valeur. Donc, simplement, si on rentre un petit peu dans la chose, on se rend compte que sur une course comme l'UTMB, c'est comme tout commerçant, c'est comme tout industriel, c'est comme toute personne qui vend quelque chose. L'argent qui rentre n'est pas celui qui va dans notre poche. Il est celui qui fait vivre une entreprise, qui va payer des salaires, qui va payer des prestataires, qui va payer... un environnement, qui va payer aussi pour des actions environnementales, pour des actions de solidarité, pour des actions comme ça. Mais cet argent-là, il ne va pas dans la poche d'une personne. Il est réinvesti pour envisager une certaine qualité, pour envisager de proposer quelque chose d'attractif. Mais c'est très très facile de dire que le voisin n'a rien à faire et qu'il gagne plus. Ça n'a rien, moi ça ne me touche plus du tout maintenant. Parce qu'aujourd'hui, la maison est quand même composée d'à peu près 40 employés, non? Ça a beaucoup grandi depuis les... On est carrément une cinquantaine. Cinquantaine maintenant, ça a bien grandi effectivement. Mais en fait, et c'est pareil, hein, on a toujours tendance à dire que parce qu'on s'est marié avec Ironman, on a perdu nos valeurs. D'abord, c'est une association où la famille politique, qui est quand même à l'origine de cette existence, est majoritaire. C'est la première fois, et on n'avait pas le choix. À ce moment-là, toute entreprise a besoin de se développer. Nous, on avait besoin aussi de transmettre à nos enfants. Mais en même temps, si on regarde bien les choses, en 2010, on a aussi un environnement où il n'est pas possible de mettre plus de personnes sur les chemins en même temps, sinon on va créer des bouchons, on va abîmer le terrain, et les gens vont venir de l'autre bout du monde pour se retrouver dans des embouteillages de coureurs. Donc si on veut maintenir cette qualité, justement, pour chaque personne qui va venir jusqu'ici, on est obligé on est limité à quasiment 10 000 coureurs, pour la qualité et d'un point de vue administratif. Ces 10 000 coureurs, on les répartit aujourd'hui sur 7 courses. Mais... 8 courses, non, si on compte la ETC. 8 courses, si on compte la ETC. Mais sincèrement, aujourd'hui, en termes de nombre, la PTL, c'est une centaine d'équipes de 3. La YCC, c'est environ 300 personnes. Donc, je dirais, OK, en termes de nombre, aujourd'hui, ça va être 10 000 coureurs qui vont venir avec leur famille, qui vont s'installer dans une vallée où c'est presque un petit peu trop serré. Et on ne peut pas en mettre plus. Mais en même temps, quand on fait le tirage au sort, jusqu'à présent, on demandait aux gens d'aller faire des points. Et chaque fois, on augmentait le nombre de points pour avoir un peu moins de gens au niveau du tirage au sort et en refuser un peu moins. On est arrivé à un moment où on demandait aux gens d'avoir 15 points en 3 courses pour courir l'UTMB, en 2 ans. Ce qui signifie qu'en 2 ans, les personnes devaient avoir couru et terminé 3 courses d'au moins 100 km. C'est trop d'un point de vue santé. C'est trop d'un point de vue possibilité. Et malgré des exigences pareilles, de l'autre côté, en 2017, pour l'inscription du trail de 2018, donc je vais dire pour 2018, on a 17 000 demandes, 10 000 places. Pour 2019, on a 24 000 demandes pour 10 000 places. En 2020, on a 32 000 demandes. Donc cette augmentation, alors qu'on ne peut plus du tout augmenter la demande technique, fait qu'on doit changer le système, absolument changer le système d'inscription. Je veux dire, je pense que ce n'est pas meilleur pour les personnes de se... Enfin, j'ai toujours été contre la notion de numerus clausus, si vous voulez. Donc il y a un moment, c'est la même chose. Si on veut que les gens ils puissent avoir une chance d'accéder, alors oui, on avait mis des systèmes, tu as double chance, et puis la deuxième année, tu as une garantie. Mais même la deuxième année, on avait plus de gens garantis, de gens garantis que de places. Donc il y a un moment, il faut commencer à reculer. Ça finit par être tellement bricolé avec des bouts de ficelle que ça n'a plus de sens. D'un autre côté, nos franchises, ça n'allait pas assez vite de créer des franchises. Au niveau des franchises, le travail pour installer cette qualité, etc., eh ben, il nous prenait trop de temps et on arrivait à en faire 2 à 3 par an. Donc pour arriver à un équilibre en termes de nombre de courses sur le globe, eh bien, c'était nécessaire aussi de trouver une autre solution. Et la troisième chose, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui, par le système des points, où ils devaient faire leurs 300 km tous les 2 ans, plus un UTMB, évidemment, s'ils arrivaient à venir le faire, eh bien, on avait des gens qui parcouraient toute la planète comme des boules de billard ou des boules de flipper, juste pour une distance. Donc, c'est que le système ne fonctionnait pas. Il avait atteint ses limites. Et il avait atteint ses limites. Et d'un autre côté, on a cette histoire de quand même que cette planète, elle se réchauffe trop vite. Il faut peut-être arrêter de la parcourir dans tous les sens. Donc, comment est-ce qu'on s'organise pour obtenir une masse critique correcte en termes d'événements sur le globe pour que les gens commencent par aller faire ces événements et ensuite, quand ils ont fait ces événements, eh bien, ils vont pouvoir accéder à l'UTMB Mont Blanc. Et cet étage supplémentaire qu'on a dû organiser et qui permet effectivement de... Quand une marche est trop haute, dans un escalier, ce qui est intéressant, c'est d'en mettre une au milieu. On a juste fait pareil. Donc on a mis une marche. Et cette marche, on l'a mis avec toute la qualité possible. Et pour créer le nombre d'événements qui soient suffisants pour commencer à donner aux gens cette possibilité d'aller faire une course pas trop loin de chez eux, pas forcément à l'autre bout du monde, ou alors l'occasion pour ceux qui étaient déjà venus ici, qui sont plus intéressés de venir ici, d'aller en découvrir une autre aux mêmes normes et aux mêmes paramètres de qualité que l'UTMB, eh bien, on s'est allié à Ironman, qui, à ce moment-là, a accepté de modifier son système d'origine pour rentrer comme acteur minoritaire, comme associé minoritaire dans l'UTMB. Et nous, on a l'ADN et la connaissance et la reconnaissance, je ne dirais pas que la connaissance, mais la reconnaissance des gens pour venir courir sur notre course, donc sur nos courses. Et eux, ils ont cette capacité d'organisateurs. Ils ne sont pas que organisateurs triathlon. Il faut arrêter de regarder par le petit bout de la lorgnette, c'est quand même eux qui organisent aussi les rock'n'roll marathons, c'est aussi eux qui organisent les Cap Épiques en termes de vélo et de vélo de route, les hautes routes qui sont du vélo de randonnée, des compétitions de vélo de randonnée, c'est aussi eux. Beaucoup de outdoor en fait. Donc en fait c'est quasiment un organisateur international très connu et très capable dans le monde de l'outdoor. Donc en s'alliant à eux, c'était cette possibilité immédiatement d'avoir le nombre de... Et c'est pour ça qu'on arrive à démarrer avec 25 directement en 2022, et 2023 sera le premier moment où effectivement, eh bien, les gens qui auront participé à ces 25, à l'une... Ça, c'est les events, c'est ça? Les events. Ouais. Toutes les personnes qui auront participé au moins et fini l'un de ces événements va gagner entre une et 6 Running Stones. Donc ces fameuses boules de loterie, comme vous les avez appelées dans un des podcasts, il me semble. Hein, bon, après le mot Running Stones, parce que notre précédent logo ressemblait à une pierre, c'était un galet, un des galets de larves. Ouais. Et donc, et puis ce mot stone, un galet, ça se dit, une pierre, ça se dit stone. Et puis, bon, ma tendance personnelle et affective avec la musique m'a amenée à faire ce jeu de mots et on a trouvé que ça allait très bien. Voilà, donc c'est devenu des Running Stones parce que elles ne roulent pas, elles courent. Donc il y a 4 niveaux maintenant, si je comprends bien. Alors il y a 2 systèmes. Il y a un système pour les élites qui n'est pas le même que celui pour les régulars. Sachant que les élites peuvent à la limite se retrouver dans le régular s'ils le préfèrent. Le système pour les élites, c'est de réaliser des podiums. S'ils réalisent des podiums sur les events, les trois premiers podiums, hommes et femmes bien évidemment, sont automatiquement acceptés en tant qu'élite directement sur l'UTMB Mont-Blanc. Et la différence avec les majors, comme je dis, c'est que dans ces cas-là, c'est les 10. Donc, les 10 premiers podiums hommes et 10 premiers podiums femmes sur les majors sont automatiquement acceptés comme élite sur l'UTMB Mont-Blanc. Et c'est dans ces majors qu'on a double Running Stone. Exactement. Après, il y a le problème pour les régulars. Moi, je les appelle les régulars ou les amateurs, etc. Non, la grosse majorité des gens. Il faut quand même savoir qu'on a 90% de régulars, tout de même. Dans une course de masse, les élites, des fois, je regrette qu'on ne parle que d'eux, mais c'est quand même jamais que 5 à 10% des gens qui font la course. Donc, ces 90% de personnes auxquelles on s'adresse sont des réguliers, normal. Et ceux-là, eh bien, ils ont besoin de 2 choses pour pouvoir participer à la course. Ils ont besoin d'avoir un indice de performance, un UTMB Index, d'ailleurs parce que c'est comme ça qu'on est en train de le renommer, d'un UTMB Index qui soit validé dans la distance. Si vous voulez, qu'ils aient fini une course de 100 km effort pour pouvoir courir sur toutes nos courses, de 50 km effort, mais dans ce cas-là, on ne les prendra pas sur le 100 miles, mais par contre, le 100 km, etc., ils aient cette expérience et cette preuve d'expérience, qu'ils en ont fini une. Et ça, c'est ces courses qui sont nommées pour pouvoir participer à l'UTMB Index. En fait, c'est des courses qui nous fournissent leurs résultats. Et ça ne leur coûte rien. D'accord. On va être clair. Ouais. C'est gratuit pour l'organisateur. L'organisateur s'engage à respecter une charte où on lui dit bah, « Attends, déjà, tu ne mets pas des bouteilles de plastique partout. Tu as une sécurité qui tient la route. C'est-à-dire que tu ne fais pas du n'importe quoi histoire de pouvoir dire ça. Et en même temps, eh bien, tu fournis ton résultat officiel très rapidement pour que nous, on puisse calculer immédiatement l'index de chaque coureur qui a fini cette course. Et plus on a de résultats, plus cet index est juste. Parce qu'il va s'adapter, c'est une question de statistique. On sait que les statistiques sont justes quand on travaille sur des très très grands nombres et pas des petits. Donc ces courses-là vont donner cette capacité d'expérience. Et ensuite, il va falloir faire des courses, un de ces 25 événements, pour gagner ces boules de loterie. Et ces Running Stones, donc. Et là, l'avantage qui est beaucoup plus simple, c'est que on peut aussi avoir son UTMB index réalisé sur ces courses-là. Mais si la course à laquelle vous allez, elle est très loin de chez vous, vous avez prévu votre voyage et vous dites, bah, tant qu'à faire, je vais quand même assurer. Le 100 miles, je ne suis pas trop sûre de le terminer. Le 100 km non plus, donc je vais assurer pour que ça soit agréable pour ma famille, parce que je vais y aller avec ma famille, et sur cette course-là, je vais me mettre sur le 50, par exemple. Je vais aller gagner mes Running Stones, ça va me faire mes vacances, la famille, elle va pouvoir participer à des vacances dans un pays exotique, ou quelque chose comme ça. On va cumuler tout l'ensemble. C'est ce que j'appelle voyager moins, mais pour voyager mieux. Voyager mieux, c'est que mon objectif lointain, il va être là pour me garantir d'avoir au minimum quelques Running Stones, mais aussi pour éventuellement passer un séjour confortable ou agréable avec des amis, de la famille, j'en sais trop rien. Mais voilà. Et derrière, ben, j'ai fait mon UTMB Index. De toute façon, quand bien même j'ai ce nombre de Running Stones, je peux jouer. Mon UTMB Index, il me permet de jouer sur du 100 miles. Même si ma course qui m'a donné mes Running Stones ne fait pas 100 miles. Donc c'est là où je dis que c'est un système qui est malheureusement mal compris, mais infiniment plus simple et fluide, parce qu'il va permettre à chacun de garder son choix, de savoir où, quand il va s'organiser. Au lieu de lui dire, ben voilà, cher coureur, tu vas devoir aligner 300 km, que tu 3 courses à 5 points que tu termines absolument, parce que sinon tes points, tu ne les as pas. Et ben, au lieu de te demander ça tous les 2 ans et ensuite de faire ça, je te demande d'avoir ton indice de performance à niveau. Une seule course, ça suffit à te le donner pourvu que tu choisisses la bonne. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y en a 3000 dans le monde, et que tu fais un événement qui te donne des Running Stones, tu n'es pas obligé de le faire en même temps, tu le calcules, tu le choisis, tu le fais, ce n'est pas forcément le premier qui vient, etc. Mais tu vas finir un événement qui te donne des Running Stones, tu calcules ton coût pour être sûr d'en avoir au moins une de Running Stone, donc... si tu en veux plus, ben à la limite, si tu as fini rapidement le 20 ou le 50, ben tu files sur un autre et puis tu feras le 50 ou le 100 parce que tu vas avoir plus de Running Stone. C'est aussi, plus tu en as, plus tu as de chance. Hein. Si tu mets 5 boules ou 5 tickets dans la loterie, tu as plus de chance que si tu en as qu'un seul. Et puis la dernière chose, c'est que ben voilà, tu n'es pas... T'es pas contraint, parce que si t'as pas tes running, enfin tenir à jour ton index de performance, enfin ton UTMB index et tenir à jour d'avoir quelques Running Stones, tu joues tes Running Stones, tu les joues toutes, tu perds, tu les récupères toutes. Donc sincèrement, je vois pas où est le problème de la complexité. C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins fermé. En fait, c'est une ouverture pour que les gens puissent calculer leur venue sur l'UTMB Mont Blanc eux-mêmes. C'est une question de stratégie. Pourquoi? Parce que là où nous, on était plus... Il y a des courses où c'est tout sur la loterie. Mais il y a des gens qui vont mettre 8 à 10 ans pour être chanceux au tirage au sort. On ne pouvait plus tenir le 2 ans et puis la 3e année était garantie. Donc on aurait repoussé cette date-là. On ne peut pas mettre plus de gens. Donc au lieu de repousser cette date-là et de permettre aux gens d'organiser eux-mêmes leur schéma pour revenir sur l'UTMB ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y en a qui n'en ont pas envie, ça doit bien exister. Mais par contre, ils auront envie d'aller en Suisse, d'aller sur le Wildstrubel, qui est un endroit magnifique, d'aller à Nice. Et ensuite, comment on les a calculés, ces endroits? Parce que ça ne vous a pas échappé qu'il y en avait plus en France, plus en Europe, qu'en Asie ou aux États-Unis, etc. On les a calculés selon la densité des communautés de coureurs. Et ça, on la connaît, ne serait-ce que par l'intermédiaire de toutes les analyses des demandes d'inscription qu'on a suite aux autres tirages au sort. Donc, on regarde quelle est la densité des gens qui ont envie de venir. Ah bah, il y en a beaucoup de Français, ah bah, il y en a beaucoup d'Européens, il y en a quand même pas mal d'Asiatiques, et puis des Américains, et ceci, cela. Et c'est comme ça qu'on on s'organise pour proposer des événements by UTMB qui ne soient pas trop loin, que les gens puissent le faire au moins sur le même continent. Allez, quand même. Et si les gens voyagent, ben, ils vont peut-être le faire 1 ou 2 fois, mais ils ne vont pas traverser la Terre pour faire une distance. Ça n'a pas de sens. On traverse la Terre pour visiter. Bon, bah merci pour toutes ces explications. En tout cas, ça montre qu'il y a un gros engouement pour le sport, et puis surtout pour l'UTMB. Peut-être pour finir, parce que je ne vais pas prendre trop de votre temps non plus, mais peut-être décrire dans vos mots les plus grosses émotions que vous avez eues sur l'UTMB, et peut-être vos meilleurs souvenirs en termes d'émotions. Vous êtes artiste, donc je pense que le côté émotionnel est très important. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué et qu'est-ce que vous voulez faire vivre finalement en termes d'émotions dans cet événement? Les émotions qu'on souhaite faire vivre, elles sont profondément humaines et ce sont des émotions de partage. La première émotion, c'était le premier départ, parce qu'ils étaient partis. Ça a été suivi immédiatement d'une grande inquiétude parce qu'ils couraient tous et je suis restée toute seule. Ici. La deuxième émotion, ça a été la 2e année parce que j'ai voulu immédiatement scénariser un petit peu ce départ. Je trouvais qu'il était tout seul et j'ai commencé à insuffler mon ADN personnel, c'est-à-dire comment on scénarise. Et c'est là que pour la première fois, il y a eu la musique de l'UTMB. Ensuite, il y a eu une autre émotion qui a été, celle-là pas très agréable, encore que, non, elle n'a pas été agréable, c'est en 2000, pas du tout agréable, en 2008, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de tirage au sort, et en 2008, l'événement s'est retrouvé, les inscriptions étaient complètes en 8 minutes. Oh. C'est ce qui nous a contraints à trouver une solution et c'est comme ça qu'on a commencé à mettre ces histoires de points, ces histoires d'expérience et puis à démarrer avec un tirage au sort, etc. Parce que pendant 8 minutes, vous êtes faiseur de rêve. À la 9e, vous êtes briseur de rêve. C'est aussi insupportable pour l'organisateur qui fait un truc parce que ça lui plaît et pour partager du plaisir que pour le coureur qui, à la 9e minute, se dit « mais bon sang, je suis pas en retard ». Ben si. Donc ça a été finalement pas une émotion agréable. Une autre émotion dure, ça a été quand on a été obligé en 2010 d'arrêter la course après le départ. Alors, on l'a arrêté. C'était le mauvais temps. Le mauvais temps, mais... Le mauvais temps qui rendait la zone après les Contamines et avant le col de la Seigne, qui est très sauvage, inaccessible pour les secours. Donc, on a arrêté la course. Elle a repris le lendemain matin, mais on ne l'avait pas prévu, donc voilà. Et puis, bon, ben voilà, c'est tout un tas de... Après, l'autre émotion, c'est quand en 2015, on a commencé avec, comme ça marchait très bien, avec LiveTrail, etc. On avait déjà un suivi de course très intéressant avec LiveTrail. On a fait aussi pas mal de films préalablement, parce qu'un de mes amis était Didier, et toujours d'ailleurs Didier Laffont, qui lui était un spécialiste des films de glisse. C'est lui qui avait fait des films comme Apocalypse Snow, qui avait fait aussi le film... il a fait pas mal de films de glisse à cette époque-là. Et donc, je lui avais dit, bah, tiens, on va faire des films ensemble, etc. Donc, on a fait pas mal de films d'auteur. Donc, on s'est bien développé dans le domaine de l'image, etc. Et puis, un jour, avec mon ami Fabrice Perrin, eh bien, on s'est dit, tiens, comment on fait pour agrémenter et mettre plus d'images et rendre le suivi de course de LiveTrail encore plus sympa. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé à mettre UTMB Live en fonction et comment on fait pour mêler ensemble et créer cet écosystème qui est basé complètement sur LiveTrail et le suivi LiveTrail, mais qui permet de rajouter des images, du suivi de course, des résumés, de le mettre en plusieurs langues, etc. Et ça, on l'a partagé de cette manière-là, et c'en est arrivé où c'en est maintenant, parce que c'était des petites pierres qu'on rajoutait chaque année. Chaque année, on disait, qu'est-ce qu'on fait de plus? Ah bah tiens, on met une langue de plus. Ah bah tiens, on va remettre le chinois, mais pour diffuser le chinois, comment on fait? Ah bah on va s'adresser à Tencent. Et puis on va passer là-bas, ça passera sur du WeChat, du Tencent, ils ne travaillent qu'entre eux. Donc voilà, c'est tout des petites choses qui, en fait, l'UTMB et UTMB Group, eh ben, construit brique par brique. Et brique par brique, si on saute une étape, on se casse la figure. Mais brique par brique, on a évolué. Et c'est là où je dis que non, on a gardé le même ADN. On y tient et on contrôle ça.